un pile plaisir, moi content matin pour moi souhaiter nous bienvenue, mon belle journée. Formation que voir ils ont préparé pour nous. N'a dit bonjour à tout le monde. Et à différents groupes qui présents et des personnalités et j'en nous connais. Et jeudi à qui c'est 26 juin et voir ils un groupe et d'action groupe influenceurs sous réseaux sociaux et même qu'a dit même dans la vie réelle et pas seulement la vie virtuelle et a fait jeudi à donc nous et là pour nous et mener modérer activité ça formation ça sous applaudissement nous on nous accueillir le recteur de l'université Kiskeya qui a une possibilité que là c'est monsieur Jacques Lumac. Motel. Bienvenue, Rubens. Dion Baye Taloya, qui attire attention. Pourquoi ça ne fait activité ça dans un moment ça? Dans un moment de déprime, de désarroi, d'abandon, de bail le gain. Eh bien, c'est ça, oui. Activité, je veux dire, son forme de résistance, je veux dire. Son forme de résistance à l'éthargie qui commence à s'installer dans la société et qui fait que tout le monde commence à conforme de résignation, d'accommodement. Dans les mots, ça y est, accommodement. Et ça, c'est le plus grand danger d'Haïti, je dis à la. Haïtien, commencer à penser d'habitude de vie, international là-dedans, même ambassade, habitude d'organisation, gens pour transporter, et gens connectés à l'autre monde pour circuler simplement dans la ville là. C'est comme si la situation qui est là aujourd'hui, c'est une situation qui vient pour tablir, ad vitam aeternam. Nous commençons à accommoder nous à la situation. Ça. Et n'oubliez que la transformation mentale, ça m'a dit pour nous réfuter ça. Il faut qu'on ait un effort collectif qui fait un jour pour nous réfuter et camper contre nous comme une forme de révolution nouvelle. C'est important ça. Parce que ne va pas aller dans quel côté. La situation ça, qui est installée là, qui commence à stabiliser, ça va dans la culture haïtienne. Merci. Nous avons un effort collectif de réfutation de situations banalisées, d'insécurité peut-être qui rend nous prisonniers, otages. Et l'homme dit otage, là, on le voit qui choque encore. Mon pays, messieurs et dames, qui fait la seule grande révolution dans l'histoire de l'humanité, quand on libère mon tout bon vrai, côté l'esclavage prend fin dans l'histoire de l'humanité, c'est là. Et puis, quand on a pour Haïti trouvé la situation pour m'a vendre moun. M'a kidnappé, m'a vendre nous, à famille. Son commerce d'esclaves, il dit. Nous pas travaillé pour ça, non? Donc, situation ça, c'est anormal. Faut dans la tête, dans le mental, nous commençons pas à réfuter comme une situation qu'il faut combattre d'une manière ou d'une autre. Donc, activité ça, je dis à Rubens, compliment, malgré tout ça, ou d'où, pas bien en Haïti, pas pour agir, etc. Moun pa ka déplacer, etc., son réfutation, son forme de résistance de ça là. Donc c'est pour ça que je me félicite. En vain bilan matin, comme on a parlé de réseaux sociaux, mal cherché qu'on est, et ça marche à dit, mal cherché qu'on est les plus grands réseaux sociaux qui ont, nous j'en 30 premiers. 30 premiers, évidemment. Facebook, on connaît, Facebook, Twitter, Instagram, et ça encore. Et ça qui choqué, mais pas choqué, mais frappé, attention, mais c'est. Premier à Facebook, c'est 2,9 milliards de monde sur la planète. Quand vous montez descendre là-dedans. Soit venu à 2,9 milliards de monde, toute nationalité qui a communiqué à échanger. Ça veut dire que c'est à peu près 40% de la population mondiale. Nous sommes 7,7 milliards d'habitants sur la planète. Presque 3 milliards, donc 37-38% là-dedans, a communiqué comme ça là, sur Facebook. Donc, c'est pas 27 000 km carrés, non, encore là. Si vous raisonnez dans le horizon 27 000 km, vous allez la donner. Regardez tout, plus que moi, si dans 30 pays importants, 18 la donne, c'est États-Unis. Chinois vient en deuxième des Américains, malgré 1,4 milliard d'habitants. Américains, 300 millions d'habitants. Chinois gagne 1,4 milliard de monde. Bon, il vient en sixième, septième. Chinois représente 8 sur 30 pays réseaux sociaux. L'Europe absent. L'Europe, oui, absent. Bon, enfin, absent. L'Europe, on a dit, je viens de Luxembourg, qui n'est pas dans l'Union européenne. Luxembourg, son petit pays tout petit,
Nous jouons à peu près, peut-être 20e avec Vibe, que Rakuten. Rakuten lancé et il fait 260 millions d'abonnés, les gens qui ont circulé dans le trafic là. Ok? Un petit pays l'Europe. Afrique, évidemment, pas la donne. Amérique latine, pas la donne. Ok. Alors, pourquoi ça me fait allusion à ça? Mais nous, nos pays, je dis à là, qui paraît dans le monde avec un message fondamental, particulier, singulier, Haïti est le pays. Il ne faut pas oublier ça. Je ne vais pas perdre l'occasion de dire aux jeunes ça. Parce que nous avons tendance en Haïti sous-estimer ça Haïti représenté dans l'histoire du monde. Nous avons tendance à sous-estimer son haïtien, je dis à là. Nous avons dit, je ne vais pas perdre l'occasion de dire non. Si pas pour Haïti, Obama n'a pas tapé dans la Maison Blanche là. Il tape dans la plantation. Après, il coton, il va couper canne. Seule raison d'être sacrifié là, c'est nous-mêmes qui battons pour ça, il y a 200 ans. Alors, une exception là, je pense qu'il faut réfuter. Il faut réfuter la case côté, vous mettez nous là, et la case côté, nous mettez nous là. Même ici, il faut réfuter. Et pour réfuter, il ne faut pas oublier que nous avons des atouts dans nous. Je ne parle pas de deux, trois atouts que moi là tout de suite. Mais à côté du plus grand marché mondial, de la nation la plus prospère, États-Unis d'Amérique, une heure et demie d'avion, hein? Moins d'un millier de miles. Le plus grand marché mondial à côté de moi, et rapport à Marvel, c'est pour un rapport de business, c'est un rapport de charité. Il y a fait un cadeau, 20 millions de dollars de blé, ou bien il y a fait un cadeau, on va qu'on ait 12 véhicules pour la police. Ou bien USA, d'abord projet pistache, il y a un focal de pistache pour faire en bas dans le plateau central, etc. Rapport, c'est charité avec elle. Pendant ce temps, il y a 300 000 haïtiens ou américains sur le territoire ça qui vivent. Il y a 1 million haïtiens de l'autre bois. Donc, il faut penser rapport avec puissance ça. Pas non rapport de laisser frapper, non, je dis, je vais faire révolution, je vais faire avec les américains, non, pas ça. Je vais avoir l'autre rapport à avoir pour me rentrer là-bas, pour me partager prospérité à avoir. Comment vous faites? Business pour le faire. Et créer une condition pour investissement américain qui a fait la caméra. Ou qui a commencé par diaspora. Ensuite, je vais avoir afro-américain, black là. Et si tous les deux marchés ont fait comme blanc, même les qui rêvent, je vous dis, je suis après, la ville fait comme du tout. Son pays remet l'argent. Moteur, ville, c'est l'argent lié. Ok, premier avantage. Deuxième avantage, nous avons une population qui est jeune. 54% de la population qui a moins que 25 ans. Ah ouais. C'est pas un atelier. Donc, autrement dit, je ne vais pas financer grand monde qui va mourir, c'est un bon programme d'assurance, de soins. Non, la population jeune, mais c'est bal 20 pour la Lagonave. Qui est-ce qui vend pour la Lagonave? Bal outils, bal formation. Et une information, ça, c'est technologie, oui. Technologie. J'étais en contact il y a quelques années avec IBM et qui était intéressé à travailler avec Haïti dans le domaine technologique. Alors, avant de arriver là, je fais un voyage en Inde. Je suis en Inde pour la première fois il y a 10 ans. Je suis en côté de Hyderabad. Je suis venu à côté, je me dis, oh, parce que Gonaï va tomber. Pour ça, parce que depuis que je débarque dans l'aéroport, je suis marchand fresco, chien dans la rue, et mon capot cabri sous dos, bœuf cabri dans le canal là. Et taxi moto à Bouma à droite à gauche, pas chaîne secteur informel, je dis qu'à nous payer, monsieur. Je pense que c'est un jour, baby. Je continue de marcher, maintenant, je ne connais pas l'air. Et puis, ils vont côté de Monton Simone. Et puis, moi, je suis dans l'autre village, dans l'autre gens, le caillou, dans l'autre gens, etc. Quand on s'allait, ça nous a dit, on cyber city. Un village cybernétique. C'est là où je viens toute compagnie indienne qui travaille pour les États-Unis, pour l'Europe. Où est-ce qu'on taxi au Canada ou bien New York, sont indiens qui répondent nous. Qui prend réservation pour vous? Ou à fond réservation américaine, là, nous sommes indiqués pour nous. Ou à processer carte de crédit, ou, et l'autre, c'est l'autre balier. Ou besoin de faire comptabilité, grand compagnie, c'est l'autre boxe pour nous. C'est ça, oui. Télétravail là. Et Haïti, il y a des qualifications pour ça, il y a des potentiels pour ça. Ou besoin de deux bagailles. Ou besoin de langue, non. Ou besoin de langue, non. Ou besoin de formation en application informatique, programmation. Troisième avantage, il y a. Haïti est le seul pays sur la planète qui a ce narratif à raconter, qui a cette histoire à raconter au monde entier. Le seul pays de la planète.
toujours dit ça, m'a dit là rapidement parce que me blend dans tête nous pour comprendre que on haïtien pas n'importe qui. Si je ne comprends qu'on haïtien pas n'importe qui, nous fait plus de conscience ça, nous pas gon l'autre comportement dans société et par rapport au reste du monde. OK. Alors, qui pays au monde qui gagne narratif ça pour raconter le pays qui a inventé le nouvel ordre mondial fait de liberté, de droit de l'homme haïtien. Alors, je me ta commencer messieurs dames, occuper réseaux sociaux là. M'a fait que sous fait message sur bail. Donc je vois ici tu as commencé à rentrer dans avenue réseaux sociaux ça avec tout ça que me gagne comme singularité, comme particularité, mais forme dominer outils ça pour me capable exprimer avec la part l'exception que me gagne comme Haïti. Alors mais ça oui ben je pote là je dis d'abord. Monsieur pote, monsieur nous ne sommes pas sur 27 000 mètres carrés, c'est pas vrai. Nous n'avons pas affaire avec un petit marché de 12 millions d'habitants, non. Nous sommes sur une planète de baronnet tant millions de mètres carrés, nous avons un marché de 7 milliards d'habitants. C'est ça pour nous travailler. Donc, point de départ là, c'est l'allié. C'est un bon geste qu'on fait là. Pour mettre ça à son pas, pour mettre dans la direction que nous avons approfondi au fur et à mesure. Mais qu'on a invité à Ola comme jeune parmi nous, comme exception dans le modèle de la jeunesse, nous, et qui, dont le parcours est un exemple d'inspiration pour beaucoup de nous. Et c'est un grand privilège que M. Là, je veux dire, un gros dimanche, il a regardé Barcelone et Real Madrid, il est avec nous. Merci, compliment et puis bon succès.